Hello, hello les potos, c'est Chaîne Glacier, on est sur Dagon, jeu de mort-vivant, voilà. Alors c'est super, on s'est téléporté à un camp pour améliorer sa moto, là, comme j'avais dit. On a été violemment attaqué. Des Reapers, une vingtaine, peut-être plus. On de Dieu. Enfoiré de Reaper. La petite dont tu te souciais tant. Lisa? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Lisa? Disparue. Il l'a enlevé avec trois autres. Oh, comme par hasard. Il les a suivis aussi loin qu'il pouvait, mais ils sont terrés au cratère Belknap. Il est revenu pour rassembler quelques hommes. Bordel, okay, écoute, j'ai vu ce que ces fils de pute font alors. Il va falloir remonter. Pas question d'attendre. Ouais, on va aller là-bas après, on va améliorer la moto. Alors. Et. Ah ouais, ça c'est du bon matos. Ah. Coup de confiance. Pas. On prépare tout ça comme il faut. Super, t'as besoin d'autre chose? Ah, on voit la différence quand même, hein. Alors, l'esthétique. Excellent choix, mon pote. Excellent. Tu devrais tenir un moment avec ça. Peinture. Ouais, ça ouais, moi j'aime bien cette couleur. Hein. Ah, les logos. Pas mal le logo là. Hein. Aigle. Prépare tout ça comme il faut. Super. T'as besoin d'autre chose? Bon, je crois pas, hein. Tu sais où me trouver? Ah, attends, il y avait un truc là. Faudrait pas tomber en rade en plein No Man's Land, c'est clair. Super. On va améliorer la moto. Je serai là si t'as besoin. Est-ce qu'il ressent de la douleur? Yeah, on voit la différence, hein. Bon, ça a pas l'air trop grave. J'ai mis un truc là-dessus. Voilà, super. Sur le virus. Apparemment, il attaque le cerveau, l'homme frontal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est parti pour une mise à niveau. Oh. Je peux faire autre chose pour toi? Excellent choix. Niveau 4 là. On repasse quand tu veux. Pas de soucis. Ok.
Allez, là, donner de la boue, je pense. Ah, et lui. J'ai un boulot qui pourrait t'intéresser. Encore oh, non, sois pas si sûr. Il y a des boulots partout. Trop occupé pour un camp de Reaper. Ici, dans notre voisinage. Des Reapers dans le coin. Où ça? Il y a des Reapers partout. Tu serais intéressé. Il paraît qu'ils vous ont causé des emmerdes à Boozer et toi. D'ailleurs, ça fait un bail que je l'ai pas vu, Boozer. Dis-moi où, Gob. Vers Separation Meadow. Flaque les abus jusqu'à mourir. Tu la connais, non? J'en ai passé devant leur camp pendant une mission de ravitaillement. T'inquiète. Je vais leur régler leur compte. J'ai jamais revu ma femme. La première fois que j'ai croisé un mutant, j'ai vraiment fait hey, comment ça va? Hey, comment ça va au campement? Ah, oh, ok. Hey, mais à la prochaine. Ah, en fait, là, c'est un camp pour la moto, tout ça, amélioration de la moto. L'autre, c'est pour autre chose. Ouais, faut... Alors, on va voir où il faut aller. D'accord, on va aller là-bas. T'as besoin d'un truc, mon pote? Eh, hey, Manny. Attends, je m'en occupe. Ça a l'air d'aller mieux là. Les cannes, super. Cop. Mais je te fais confiance. Et rien vaut à bon esprit d'entreprise, merde. C'est vrai que je dirais pas non à une... Personne, c'est bizarre. C'est désert. Récupère un peu des pièces, tout. Allez. En général, je vous évite tout ça. Hein. J'en fais un peu. Voilà, récupérer des pièces, récupérer des choses et tout. Je vous évite de vous faire voir dans le jeu. Et surtout les missions, les choses comme ça. Je passe énormément de temps comme ça pour faire des sous. Pouvoir vous faire voir, débloquer les motos, etc. J'y suis pourtant là. Ah d'accord. Ah ça va changer encore de temps.
Ah, j'aime bien la journée, j'espère qu'il va pas faire nuit. Et si, je parie que si. Ah, il y a une cinématique. Un seul de ses cheveux aurait pu de merde. Je vais tous vous buter, que vous l'ayez touché ou non. Tiens bon, Lisa, j'arrive. Pisté, Lisa. Pisté, hein. C'est quoi? C'est son sac. Lisa. C'est pas un Reaper en tout cas. Les empreintes. Taille d'ado. C'était sûrement Lisa. Elle a été traînée par ici. Si vous avez touché par un seul de ses cheveux, prends ton foie et je vous bute jusqu'au dernier. Ouais. Pourquoi tu vas pas trouver la voie, plutôt? Ils sont morts, enfoirés. Ils rejoindront pas ta putain de secte. On va couper la corde. On va la libérer. J'aime pas trop moi les jobards là. Un peu des fadas eux, hein. Oh là là, il va falloir aller dans les grottes, je pense. Et il se cache sous terre. Là, il est entraîné là-dedans. C'est les âmes libérées qui mènent la danse, hein? Sauf si elles sont toutes mortes. Personne vous rejoindra. Hé, hey, souris, t'as été trouvé, pas vrai? Rentre, saloperie.
battre. Tiens bon, Lisa. Quoi qu'il te fasse, essaie de tenir bon. Lisa, je viens te sauver. Putain de labyrinthe ici. Ah mais il faut jamais attaquer de face. Passage, il est là-bas. Vaut mieux passer par derrière. Alors attention qu'il n'y a pas de piège non plus. Lisa doit être là-haut. Hein, je le vois. Bien juste là, donc il doit en avoir un derrière là. Pistolet toujours corps à corps, on sait jamais si on est surpris.
Il y a les molos. C'est pas, on arrive, on voit pas bien. Ça a épuisé là. Oh, sérieusement. Et là, j'arrive pas à le toucher. Relance-toi-même, enfoiré. Et un deuxième, je sais, je sais pas où j'ai. Rayon tout à l'heure. Il n'a pas la voir quoi. Tire dans le rocher. Yes, Lisa. On l'a trouvé. Hey, Lisa. On l'a trouvé les poteaux. Oh bordel, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et moi? Non, j'ai pas fait tout ça pour sois mort. Hey, tais-toi. Lisa, c'est moi, Deacon. Tu te souviens? Deacon. Et toi, sinon ils vont me marquer. Okay. Ça va. Tout va bien. Allez, viens. Ça va? Merde, tu peux courir. Tu sais où se trouve le centre pour visiteurs? Super, c'est là que j'ai ma moto. Je veux que tu cours là-bas, le plus vite possible. T'arrêtes surtout pas. T'arrêtes pas quoi qu'il arrive. T'es prête? Allez, fonce. T'as pas l'air de courir, mais bon.
Mais ça, baisse-toi, cache-toi. Il est touché. Il est touché. Oh, c'est pas possible. Mais si c'est arbre, c'est arbre. Ah, mais ils sont tournés en moto, ces enfoirés. En fait, on ferme ma moto. Et super, les poteaux. Est-ce que ça va? On a réussi à la récupérer. Écoute-moi, il y a un camp à Lost Lake, au sud d'ici. Ça n'a rien à voir avec Hot Spring. Iron Mike est pas du tout comme Madame Tucker. Je hais Madame Tucker. Tu seras pas toute seule là-bas. C'est un chouette camp. Et c'est un lieu sûr. D'accord. Accroche-toi. Rick. Ricky. Ricky, répond. Allez, faut que je l'emmène. Ricky, il est toujours sur ce canal. Quand Lost Lake, répondez. Deacon. Ça fait un bail. Qu'est-ce que tu veux? Fais pas chier, viens voir, ok? Rendez-vous au croisement de l'autoroute des Cascades et de la route d'Olbelna. J'y vais tout de suite. Tu sais ce qu'Iron Mike a dit la nuit où Boozer et toi vous êtes partis? Ah ouais, ça. Écoute, c'est pour ça que c'est toi que j'appelle, et pas Schizo. Iron Mike a pas besoin d'être au courant. J'ai une gamine avec moi. Quoi? Enfin, pas une gamine, une survivante. Elle a survécu longtemps dans ce quartier. T'as une survivante? Et tu l'emmènes à Lost Lake? Non, c'est toi qui vas l'emmener à Lost Lake. Je vais te la confier. Ricky, t'es là? Ouais, d'accord. Je me mets en route. Terminé. Ricky? Ouais, de rien surtout. Tu vas te plaire là-bas, petite. Comme je te disais, Iron Mike, c'est un mec bien. Il crie beaucoup, mais ne laisse pas te plomber le moral, d'accord? Sinon, il y a un type qui s'appelle Schizo. S'il t'emmerde, tu le dis à Ricky. Ou alors, dis-le à Adi. C'est le médecin du camp. Va lui dire.
C'est une chic fille, allez. Elle a les dogs du matos, la totale. Elle désinfectera tes plaies. Ce serait con que ça s'infecte. Elles t'aideront. T'as compris, petite? Tu peux compter sur elle. Même si tu chies dans la colle. Ok. Salut, Ricky. Salut, Dick. Je suis surprise. Tucker fait plus dans le commerce d'esclaves. Lisa, je te présente Ricky. Elle va te conduire à l'abri. Rien n'a changé, Dick. Iron Mike te paiera pas pour ça. Me payer pour... Oh, mais te fous pas de moi. C'est... Pardon, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis pas venu récupérer une prime. Est-ce que tu peux l'emmener? Hein? Qu'est-ce qu'elle a, Deacon? Oh, qu'est-ce qu'elle a? Elle a croisé des Reapers sur sa route, j'ai dû... Oh, Seigneur. Hé, hey, Lisa. Salut, je suis Ricky. Dis-moi, est-ce que t'aimes pêcher? Moi, j'adore ça. Je crois même que c'est ce que j'aime le plus au monde. Ça te dit qu'on aille pêcher? Ouais? Viens, tu vas découvrir Lost Lake. L'eau y est si claire que t'en croiras pas tes yeux. Et les poissons, incroyables! Le matin, ces poissons, ils peuvent sauter jusque-là. Je te montrerai, tu verras, on va bien s'amuser. Accroche-toi bien à moi, surtout. Prête? Merci beaucoup, oui. Pas rien. Et voilà les potos. On vous dit à la suite.